Observateur bienveillant de l'évolution de Courchevel depuis 40 ans, amoureux de la fête et cultivant son jardin secret enrichi de passions multiples, Michel Rochedy se raconte avec l'accent rocailleux de son Ardèche natale. Ce chef doublement étoilé a fait de son établissement 4 étoiles, doux cocon familial, une institution qui vit à l'année. J'ai découvert le Chabichou parce que j'étais très ami avec un ami, Gaston Bonnefoy, qui était un taxi, qui était un gars formidable. Et je lui avais dit, je dois reprendre l'auberge de mes parents à Saint-Agrève, Ardèche, mais le lieu me plaît bien et si tu me trouvais quelque chose. Et un jour, il m'a emmené voir le petit Chabichou qui avait 9 chambres, dont 4 mansardées. Et quand je suis redescendu, j'ai vu mon épouse, j'ai dit, ben, c'est pour nous. Alors c'est vrai qu'on peut dire que le Chabichou, c'est un peu le clan des irréductibles. Vous savez, j'aime bien l'histoire d'Astérix et Obélix, parce que les Rochedy, j'ai vu dans ma généalogie, les Rochedix, et je devais avoir un ancêtre qui a fait la fête un peu pompette, qui toc, a donné un grand coup de stylo, et le X est devenu Y. Nous sommes toujours restés nous-mêmes avec l'évolution de la station, mais sans pour autant nous préoccuper de dire ou de médire sur quoi que ce soit. Nous, nous sommes restés nous-mêmes à notre emplacement. La station a évolué. Il faut savoir que nous sommes arrivés, il y avait 25 à 28 boîtes de nuit dans Courchevel, ce qui est extraordinaire parce qu'on dit la fête. Eh bien oui, la fête. Alors, les temps ont changé, les temps ont changé. Les hôtels ont grandi, de magnifiques hôtels, tout azimut, puisqu'il y a des palaces maintenant dans Courchevel, des 5 étoiles. Et aussi parce que les gens sont devenus plus sédentaires, et puis chaque hôtel aussi fait son animation. Et ça a rompu un petit peu ce charme. Mais nous avons toujours gardé cet esprit au Chabichou de fête, parce que pour moi, recevoir des gens, c'est allumer dans leurs yeux cette joie, ce bonheur de fête. Quand mon ami Michel Sardou chante, voilà, c'est la fête. Jean-Claude Casatsu, hein, mon Jean-Claude, magnifique orchestre de Lille. Le Chabichou, toujours conservé cette ambiance de jazz, puisque j'ai eu Claude Bolling dans des soirées mémorables avec Randy Wasson. Et j'ai beaucoup de passion. J'ai failli devenir footballeur. Et à l'époque, mon papa m'a dit que ce n'était pas un métier. Et c'est vrai que la musique, sans être un féru de solfège, j'adore ça. Vous savez, quand on aime ce métier, moi j'aime les gens que je reçois, mais quand je les reçois, je ne vois pas afficher derrière des dollars et encore moins des euros. Les personnes avec qui je suis, ben, je suis le capitaine, je dois recevoir autant de coups qu'eux, il n'y a pas de raison. Et je dis toujours, c'est une maison où on se dit bonjour le matin, je vais serrer la main tout un chacun, pas pour me singulariser, mais pour montrer que chacun a sa place, c'est le respect des autres. Et je vais plus loin, c'est un amour aussi, c'est un don de soi, sans vouloir être grandiloquent.